j'étais gamin, un jour mon père a recueilli un renard qui s'était fait estropier et ne pouvait plus marcher. Ma mère était furieuse et a exigé qu'il le mette dans la remise. Déjà à l'époque, papa n'était plus vraiment avec nous. Il passait des heures avec ce renard, à lui parler de l'Italie et de tous les villages qu'ils avaient bombardés. Je crois que j'étais jaloux. Jaloux de cet animal qui comptait plus que moi. Pourtant, le renard allait mourir, ça se voyait. Alors un soir, je me suis faufilé dehors pour lui donner à manger. J'avais 8 ans. Quand il m'a mordu, je me rappelle la colère, le choc, la douleur. Moi qui courais en hurlant dans le jardin, ma mère paniquait à cause de la rage. Mon père l'a tué à grands coups de peine. Plus tard, je l'ai surpris qu'il pleurait. Il m'a dit, je sais pas, fiston, je sais pas pourquoi il t'a fait du mal. C'était qu'une pauvre bête en train de mourir. Cette chose ne sait pas qu'elle nous fait du mal. Que Dieu nous vienne en aide. Elle a quitté la vallée, elle est partout. Les avions sont passés il y a 3 heures. Je n'ai pu joindre personne sur la radio. Je commence à croire que j'ai fait une terrible erreur de jugement. Qu'est-ce que tu es? Tu me comprends, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a plus personne. À part moi. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que je vais faire? Tu veux de la lumière? Très bien. Tu vas en avoir. Mais après moi, il n'y a personne. Et tu seras à nouveau seul. Pour toujours. Comme avant. Tu m'as enlevé tout ce que j'aimais. Tu m'as poussé à faire des choses dont je ne me serais jamais cru capable. Mais si tu crois que je vais venir avec toi... Kate ? Attends. Arrête. Ici Catherine Collins. Je ne sais pas si quelqu'un entendra ce message. Tout est terminé. Il ne reste plus que moi. Thank you.
Je sais qu'elle ne voulait blesser personne. J'essaie de comprendre pourquoi Lizzie a tenté de partir avec son enfant et pourquoi il ne fallait pas l'en empêcher. J'essaie d'expliquer que ce qu'elle a fait était mal. Elle me montre que Stephen et Lizzie sont ensemble. Et je suis heureuse pour eux. Frank se promène dans ses champs avec Marie. Wendy et Eddie profitent pleinement de leur amour. Jérémy a enfin pu rejoindre son Dieu. Ils sont tous heureux parce qu'ils sont ensemble. J'ai vu la trace s'avancer et le temps a ralenti jusqu'à s'arrêter. J'ai vu la flamme bondir de la main de Stephen, cet instant figé à tout jamais dans les airs. S'extirpe hors de l'ombre de la tour et s'étend sur l'observatoire et sur la vallée. Elle consume le monde. Tout n'est que lumière. Tout s'est figé. Le monde est façonné par les marques que nous laissons. Notre présence est partout. Elle est la passerelle qui relie nos histoires. La fin est proche. Je n'ai pas peur. Elle m'accompagne. Nous avons vécu loin d'eux, et nous comprenons maintenant pourquoi nous ne pouvions pas nous rapprocher. Tout ça n'a plus d'importance. Tout le monde est parti, et nous allons les rejoindre. Nous sommes nés ailleurs. À la dérive, dans un océan de ténèbres infinies. Et bientôt les vagues nous emporteront. Mais entre-temps, dans notre unique jour d'existence, durant cette danse à la lumière du soleil, nous pouvons trouver ce qui nous manque. Cet amour qui nous complète. Cette immanence. Chacun a trouvé son autre. Cette trace